Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Je vais te partager ma recette de sauce de poulet. Pour commencer, tu vas mariner ton poulet avec ma marinade. Je vais te mettre en barre d'infos les ingrédients. Ensuite, dans un filet d'huile d'olive, tu vas poser ton poulet, le laisser dorer d'un côté et lorsqu'il est doré, le tourner de l'autre côté. Lorsque tu auras fini cette étape-là, tu vas enlever et réserver le poulet. Dans la même casserole, la même huile, tu vas rajouter deux oignons. Une cuillère à café de gingembre râpé, une cuillère à café de purée d'ail. Tu vas bien mélanger et ensuite on va passer aux épices. Tu vas rajouter une cuillère à café de masala ou garam masala, une cuillère à café de cumin en poudre, une pincée de clou de girofle ou un clou de girofle entier, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. Et pour finir, une cuillère à café de curcuma. On mélange le tout. Et ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées. Tu mélanges bien, tu laisses cuire 2-3 minutes. Et ensuite, on va rajouter 2 feuilles de laurier, 2 tomates que j'ai mis dans un robot pour la mixer pour faire une purée. On mélange le tout. On rajoute un petit peu d'eau, 150 ml. On mélange bien. Et après, j'ai rajouté un demi-poivron coupé en dés. On mélange le tout encore. Et puis on va rajouter notre poulet qu'on a fait dorer tout à l'heure. On mélange bien pour qu'il s'imprègne bien de la sauce. Et là, c'est presque fini. Il suffit juste de le laisser cuire pendant 20-25 minutes. Et voici le résultat. Je vais te montrer de plus près. Et voilà, j'espère que la recette t'aura plu. N'hésite pas à partager, liker et à t'abonner. À très bientôt!